Oui, Star, coucou, je suis toujours sur mon canapé, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai pas eu le temps d'acheter mon iPhone, donc j'ai toujours mon téléphone cassé, j'ai la moitié du visage de visible. Parce que ce soir, apparemment, on m'a fait une surprise. Donc, tout ce que je sais, c'est que je dois être prête à 18h, je dois être en bombe. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui m'a fait une surprise, je me pose la question. Mais en tout cas, faut que je me bouge de me préparer, je dois me faire PL. Peut-être que j'ai un admirateur secret, I don't know. Mais voilà, je dois me bouger de me préparer, donc je vais m'y mettre. Bon, je vous explique, j'ai pris ma douche, je vais faire ma coiffure. Je vais pas me maquiller parce qu'en fait j'ai des cils de 6 mètres, donc j'ai pas besoin de rajouter du maquillage. Et je crois que j'ai trouvé ma tenue, je suis pas sûre. Je vais vous montrer, vous me dites ce que vous en pensez. Pour la coiffure, je vais faire... C'est n'importe quoi ma coiffeuse, il y a rien qui va. Pour la coiffure, je vais faire, vous savez, à chaque fois que je fais cette coiffure, vous aimez trop. Ma queue de cheval avec la mèche sur le côté là, Là, si vous voyez de quoi je parle, bah, de toute façon, je vais le faire. Et bon, là, je suis à peu près prête. J'ai fait ma petite ponytail, ma petite coiffure. Je ne sais pas si vous aviez compris quand j'expliquais, mais c'est à ça que je pensais. J'ai mis mon outfit. C'est une robe PLT. Après, je vous la montre bien. Elle est longue, elle est trop, trop belle. Je l'aime trop. Et là, je vais choisir les bijoux. C'est une commande de bijoux que j'ai faite il y a un mois et demi. Donc, j'ai pratiquement oublié ce que j'ai mis dedans. On va l'ouvrir ensemble, je suis trop contente. On va faire un unboxing, genre, comme les influenceuses, en fait. Bon, je vais vous montrer ma petite commande Joyflow. Je suis trop contente parce que quand on m'a proposé la collab, quand je suis allée voir sur le site, j'ai vu qu'il y avait plein de bijoux, plein de choix et tout. Et moi, les bijoux fantasy, c'est ma passion. Je change tout le temps de bijoux. J'aime trop. Sur le site, vous avez des bijoux en plaqué or qui sont en acier inoxydable. Et vous avez des bijoux en plaqué argent 10 microns, je crois, qui ne rouillent pas. Mais par contre, il faut éviter de mettre dans l'eau, je vous le précise, pour pas que ça s'abîme. Mais comme ça, vous les gardez plus longtemps. Donc en premier, là, j'ai tout ouvert. J'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça, dorées, avec le petit bracelet assorti. Je trouve ça trop beau. Là, c'est mon préf. C'est un petit bracelet en argent. Il est trop joli. Moi, vous savez, j'ai une main côté doré et une main côté argenté. Donc, j'ai pris plus du côté argenté parce que j'en ai pas beaucoup des bijoux. J'ai pris la petite bague comme ça. Elle est trop belle, celle-là. Je la voulais trop. Et un petit jonc, pareil, pour mettre de mon côté argenté. Je vais vous montrer porter. C'est trop joli. Sur le site, vous pouvez faire des assemblages, genre... Les petites boucles pour finir le look, elles sont juste trop, trop belles. Elles sont toutes fines. Je les aime trop, je suis trop fan. Je vous laisse le lien du site. Vous allez voir, il y a plein de bijoux. Les collections changent tout le temps. C'est trop joli. Je vous mets aussi un code promo de moins 10%. Donc je vous note tout ici. Il vous reste plus qu'à aller faire un tour. Et vous n'allez pas être déçus, c'est trop, trop mimes. Et la livraison est super rapide. Elles bougent, j'étais un peu patraque. Elles m'ont organisé une soirée chill. Elles sont pas trop mignonnes. On va se poser tranquillement, on va manger, on va discuter. Je vais leur faire un débrief parce qu'elles ont raté plein de trucs. Elles sont trop trop chouettes. Regarde ce qu'elles m'ont fait venir. Elles m'ont fait venir des grandes lettres géantes comme ça. Je trouve que c'est une trop bonne idée. J'aime trop, je suis trop fan. On va taper nos meilleures photos. Je vous explique même pas, ça va devenir une séance photo. Je trouve ça vraiment trop stylé. Donc je vous partage le Insta de la personne qui fait les locations de lettres géantes. Ils sont trop bien occupés, ils sont ultra réactifs. Ils sont trop sympas pour tous vos événements et tout. Ils sont ultra disponibles, ils sont grave à l'écoute. Donc je trouve ça vraiment très cool, donc je vous partage. Et ça fait vraiment la gif. Pour un beau feed d'Instagram et tout, ça fait la gif pour une belle soirée. Je trouve ça trop sympa. Donc je vous mets toutes les infos ici, il vous reste plus qu'à aller faire un tour. Rise and shine. Rise and shine. No. Rise. No. And shine.